quitter sa robe d'avocat d'un jour pour retrouver les bancs de la faculté de droit de Saint-Étienne. Elle fait ce soir un détour sur notre plateau. Laura Duc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mercredi, vous remportez la finale du concours de plaidoirie Lysias, un concours national d'éloquence ouvert donc à tous les étudiants en droit. J'imagine que c'était un grand jour pour vous. Oui, tout à fait. Paradoxalement, c'était très, très compliqué à gérer, tant au niveau de la confiance en soi qu'au niveau du stress. Mais bon, on y est arrivé, on a remporté le titre. Alors justement, à 19 ans, quel sentiment on éprouve quand on plaide devant la cour d'appel de Paris? Certains n'iront même jamais. Alors, non. Quel sentiment? On n'essaie de pas imaginer les personnages qu'on a devant soi, parce que de telles personnalités, c'est vrai que ça met un barrage devant la plaidoirie qu'on doit faire, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Oui. Alors on va revenir un petit peu sur cette finale. Quel était le thème de la plaidoirie que vous avez faite? On avait une violation de domicile et des violences volontaires. Bon, ça paraît très banal comme ça, mais mis dans un bon, dans une bonne plaidoirie, bien. Alors justement, bien sur quoi avez-vous fondé cette plaidoirie? Eh bien, étant donné que les personnages étaient des violonistes, j'ai décidé de me baser sur une œuvre de Brahms et de mélanger ça avec tout ce qui était les infractions, tout ce qui était éléments juridiques, pour donner un peu d'originalité à la plaidoirie. Alors, plaidoirie, mais avant, en fait, sur quoi vous êtes jugé concrètement dans ce concours? Vraiment sur la forme et le fond. Nous avons un fond qui doit être nickel. Au niveau des infractions, ça doit être bien caractérisé. On doit être irréprochable. Donc une rigueur juridique, c'est ça? Oui, tout à fait. Mm-hmm. Rigueur juridique. Et puis, en même temps, avoir de l'originalité, arriver à les captiver pendant les 10 minutes, ce qui n'est pas toujours très simple. Et voilà, arriver à se détacher des faits et faire quelque chose d'intéressant. Alors, comment vous y êtes préparé justement à ce concours? C'est une semaine, durant une semaine, on nous donne le sujet avant, on a une semaine pour le préparer. On tapote sur Internet, on regarde les actus, si on peut placer deux, trois petits éléments comme ça, deux, trois petits pics d'actu, c'est intéressant. Puis aussi se baser sur quelque chose de très connu, Brahms, c'était bien connu. Est-ce que ce concours peut ouvrir des portes? Disons que c'est intéressant d'avoir ça sur son CV, on va pas s'en plaindre. J'ai rencontré des belles personnalités aussi, des bons avocats, des procureurs généraux de la Cour de cassation, d'autres personnes dans le milieu juridique. Donc vous avez récupéré des cartes de visite? Pas à ce point, mais disons que maintenant on me connaît de nom, donc c'est toujours plus simple après d'accéder pour avoir un stage. Puis on a plus envie d'y aller maintenant qu'on connaît les personnes qu'on a bien discuté, qu'on a Alors, je rappelle, hein, vous êtes en deuxième année de la faculté de droit. Alors, un mot, j'allais dire, sur votre avenir. Dans 10 ans, vous vous voyez où? Dans 10 ans... Ou peut-être avant, hein, même. Oui, pourquoi pas, justement, juger les petits juristes qui vont arriver pour tenter de faire le concours Lysias. Ce serait intéressant. Non, peut-être pas jusque-là, mais disons oui, en apprentissage, que ce soit niveau magistrature, niveau domaine de l'avocat, pourquoi pas. Niveau, une spécialité, domaine... vous voulez être avocat dans quoi exactement? Disons que le pénal m'a beaucoup plu, étant donné que le concours aussi portait sur le pénal. On verra si ça nous amène par là. Bon, je pensais aussi à la police, donc vous voyez, c'est vraiment le domaine du pénal. Allez, bah c'est parfait.